Oui. Coucou, moi c'est Zineb, elle c'est maman, et lui c'est Nabil. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui connaît le mieux maman. C'est normal. Bon, par contre elle est jeune donc on ne voit pas. On se croirait au juste prix ou je ne sais quoi là. Donc voilà, donc vous aurez compris qui connaît le mieux maman entre Nabil et Zineb. Donc il va y avoir des questions. Voilà, je vais leur poser des questions et ils devront y répondre. Et donc, alors, il y a certaines questions où il y a plusieurs réponses possibles. Mmh. Si il a, c'est par exemple une question, il y a deux propositions et qu'ils trouvent les deux propositions, ils marqueront 2 points. S'ils n'en trouvent qu'une seule, ce sera 1 point. Et s'ils ne trouvent pas, bien sûr, ce sera 0. Voilà. Plus de points pour gagner. Elle précise même depuis le temps qu'elle voulait faire cette vidéo. Moi aussi, je voulais. C'est vrai. Donc, bah, on commence. Oui. Vous êtes prêts? Allez. Donc, bien sûr, ils ont des ardoises. Ils écriront sur leurs ardoises et après, ils effaceront, bien sûr. Donc, la première question. Attends. C'est bon. Alors, la première question. Quelle est ma couleur préférée? Vous avez 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est fini. Donc, violet. Donc, faites voir quoi? Aucun des deux. C'est quoi? Rouge. Ouais. Oh, mais j'étais entre les deux en plus. Oui, c'est le rouge. C'est ma couleur préférée. Donc ça fait 0. Ça y est, tu es prêt, Nabil? Oui. Alors, deuxième question. Quel est mon chanteur préféré? Ah, c'est facile. Attends, c'est ça. Tout le monde le connaît. Attends, parce que là, je vais écrire en gros. Parce que si vous voyez l'écriture à Nabil, oulala, mon Dieu. Bah, mais bon, j'ai compris ce que tu voulais écrire. Alors, vous retournez. 1, 2, 3, Michael Jackson, pareil. C'est très gros. C'est ça. Ça moi, j'écris avec un X. C'est mon... Oui, et non, c'est un K. Ouais. Jackson. Toi, t'as écrit Jascon. Quand tu veux, un nom de toi. Et toi, t'as écrit non, Michael. J'ai X. Michael Jascon. Aussi. Moi, j'écris Michael. C'est Jackson. Mais c'est ça. Donc voilà, mon chanteur préféré, c'est bien Michael Jackson. Donc, 1 point chacun. Alors, attention, la troisième question. Vous êtes prêts? Oui. Quel est mon film préféré? Alors, attention, j'en ai deux. Film? Quel est mon film préféré? Morse et sac. Attends, allez, dites. Juste, on connaît. Je sais pas, mais normalement, vous devriez, puisque vous êtes censé me connaître. Morse et sac. Bon, après, je sais. Je sais pas. Moi j'aime bien. C'est pas qui connaît le mieux Zineb. Hein. Moi je sais pas ce que c'est. Attends. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ça en fait, t'as mis sous toi tu es mais quoi. Oui. Ok. Oui. Allez, stop. Enfin, vous retournez. La grande muraille. Mais ça enfile. Ah non, non, bah, c'est pas du tout ça. Bah non, c'est un monument. Moi j'aime fou, en plus t'as écrit Kung Fu. Moi j'écris Fu Panda. D'accord, alors c'est aucun c'est des Kung deux. Fu. C'est aucun Kung. Des deux. Kung. C'était quoi? Et donc c'est Sarafina. Ouais. C'est quoi? Et Ghost. C'est quoi? Ghost. Ah bah je peux pas vous le dire parce qu'après si je te le dis, Sarafina, si je te dis, tu vas savoir quelle est mon actrice préférée. Et si je te dis Ghost, en fait Ghost c'est pour ceux qui connaissent Ghost. C'est une fille en fait, quoi, elle perd son mari dans un accident et il revient en fantôme. Et il y a une voyante qui va aider donc, cette femme à rentrer en contact avec son mari. Donc c'est Ghost. Ah, oh, maman, tu vas te faire d'accord. Et Sarafina, c'est un film sur l'esclavage. D'accord. Donc voilà. Maman. Je vous mettrai, j'essaierai de retrouver sur internet. Oui, j'ai déjà vu sur Netflix. Ghost, oui, c'est connu. C'est très connu. Donc voilà, donc aucun des deux. Hein. Ouais. Alors, attention. Quel est mon dessin animé préféré? Alors, sachant que j'en ai plusieurs. Hein. Oh, mais ça. Ok, comment ça s'appelle? Attends. Ça me l'a montré. Allez, c'est fini. Vous donnez vos ardoises. Donc, 3, 2, 1. Bonne année! Donc, moi, j'ai mis Olivier Tom et Princesse Sarah. Olivier Tom, pas du tout. Tu confonds avec les tontons. Ça, c'est les tontons qui mettent Olivier Tom. Ah non, mais c'est pas Olivier Tom, c'est pas autre. C'est Jeanne et Serge. Oui. Jeanne et Serge, coup de foudre, ma je vole, vole. Donc, Princesse Sarah. Princesse Sarah, c'est bon, vous avez tous les deux 1 point. Ça, c'était moi aussi. Donc, il y a Princesse Sarah, il y a Jeanne et Serge et Candy.
au pays de Candy, comme dans tous les pays. Donc voilà, donc vous effacez. Non, moi j'écris 2 points. Moi aussi, bah, j'ai... D'accord. Alors, vous êtes prêts? Oui, oui. Quel est mon gâteau préféré? Donc, bien sûr, hein, j'ai écrit toutes les questions sur une feuille. Ma pâtisserie préférée, si tu préfères. Non, mais quand je dis en gros, pas aussi gros. C'est bon. Bah ouais, bah. C'est bon? Oui. Allez, vous retournez. Pas du tout. Au chocolat. J'en étais sûre, pas du tout. Les éclairs, c'est pas moi, les éclairs, c'est Nabil. Ah, bah oui, c'est vrai. C'est quoi? Moi, c'est la religieuse. Religieuse? Attends. Oh, mais c'est pas possible. Non, c'est trop tard. Au début, j'avais l'impression, et après, quand tu m'as dit. Oui, non. Ça, c'est vraiment. Ah, mais attends. C'est la religieuse, en plus, au chocolat. Mais moi aussi, j'aime la religieuse. L'éclair au café, c'est Nabil. Ouais. Alors, c'est quel est mon sport préféré? Vous retournez? Vous me montrez? Non, pas du tout. Tu vois? Absolument pas. La gym, pas du tout. Alors, c'est ni l'athlétisme, ni la gym. Le basketball? Pas du tout. Et un truc, soit le tennis, soit le badminton, un truc comme ça? Pas du tout. C'est quoi? Un sport que... Eh ben, c'est quoi? C'est le judo. Ah, mais moi aussi, moi, j'en fais des... Non, bon, mais... Bah, moi, non mais qu'est-ce que l'athlétisme? Bah, c'est pas parce que t'as fait de l'athlétisme que j'aime l'athlétisme. Non, pas du tout. C'est pas mon sport préféré. Hein. J'aime bien regarder à la télé, oui, l'athlétisme, oui, mais c'est pas du tout mon sport préféré. Tu m'as même dit, quand moi je fais du judo, c'est ma mère qui était. Voilà, que je me suis fait mal au genou, tout à fait. Bah, j'aurais expliqué, non. Voilà, alors après. Alors attention, là c'est pas quelque chose que je préfère. Où est-ce que j'ai grandi? Ah bah oui, parce que c'est trop facile de demander... Ça, j'ai pas savoir. Alors, j'ai grandi où? Quoi? Oui, où est-ce que j'ai grandi? Bah, je sais, attends. Je sais pas si c'est ça ou si c'est un autre, mais je crois que c'est ça. Oh, purée, t'es... Bon, bah, c'est bon, vous retournez. Retournez. 1, 2, 3. Il a mis en France. À Verne. C'est quoi, ça Verne? Je connais pas. Verne. Alors, en France, oui, je confirme. J'ai trois. Mais c'est pas du tout ça. Non, l'endroit. La France, non. Alors, Verne, je connais pas. Verne. Toi, tu voulais dire où je suis née. C'est pas parce que je suis née là que j'ai grandi là-bas. Oh, d'accord. C'est Verne. Non, c'est pas Verne. J'aurais dû mettre où suis-je née. Mais non, j'ai grandi à... Ça commence par un V. Verne. T'as vu comme mon truc là. À Villiers-le-Bel. À Villiers-le-Bel. Dans le 9-5. 9-5. Bah oui. 95. Oui, dans le 95. Donc vous ne marquez rien du tout. Mais si, j'avoue. Alors. C'est pas vrai, c'est des scarpins. En quelle année je suis née? En quelle année j'ai demandé? J'ai pas demandé quel mois. En quelle année je suis née? On va voir. Donc vous êtes censé savoir quelle année. 5 secondes parce que t'as pas le temps de calculer maintenant. Bah oui. 5. 4. 3. En quelle année je suis née? 2, 1, retournez. T'es sérieux? Retournez. C'est trop facile, en 1972. Oui, t'as écrit quoi toi? Elle a pas 23 ans. Oh, si, j'ai oui, 23 ans. Voilà, j'ai raison. Si, j'ai 23 ans. 72, t'es née. Elle a 1972. Elle a 23 ans, mais t'as dit. 1936. Bon, je marque un autre point. Quel est mon animal préféré? Je dirais... Et si c'est pas ça, je te dirais le truc que je pense. Moi, je peux écrire des réponses. Non, ça c'est trop facile. Allez, 5, 4, 3, 2, vous retournez. Le chat. Chat. Vous avez tous les deux. Alors, après, attention. Quelles sont mes séries préférées? Attention, mes séries. Donc, sachant qu'il y en a deux. Je sais pas si ça s'écrit comme ça, la valeur orthographe, mais orthographe. Alors et la deuxième. Allez. 5, Jeanne, 4, et Serge. 3, 2, 1, vous retournez. NCIS. NCIS, et bien le deuxième. Jeanne et Serge. Non, ça c'est un dessin animé. C'est Charm. Tu te souviens des 3 sorcières? Les 5 sorcières que tu regardais aussi. Avec moi en plus. C'est pas bien. Mais oui, avec Alyssa Milano. Merci pour la réponse, je suis sûre que c'était ton actrice préférée. J'ai rien dit. Alors. Non, mais 5. Pardon. 5, moi j'ai cocotte. Bah oui. Alors, vous êtes prêts? Ok. Alors, quel est mon fruit préféré? Ça, c'est facile. J'en suis sûre. Quel est mon fruit préféré?
J'ai quand même pas mal de grandes surprises. Hein. Alors, mon fruit préféré, c'est quoi? La cerise, la banane. Alors, toi, c'est faux. Quoi? Toi, c'est bon, c'est la banane. J'aime la cerise, mais en yaourt, dans les yaourts. J'aime la cerise au yaourt. C'est pas pareil. Que mon fruit préféré, c'est la banane. Alors, quelle était ma matière préférée à l'école? À l'école? Oui, ma matière préférée. C'est bon? Oui. Ok, alors vous montez vos ardoises? 1, 2, 3, le français. Alors les mathématiques. Non, les mathématiques, pas du tout. Ah, pas du tout forte. Pas du tout les mathématiques. C'est vrai que le français, j'aime beaucoup. Oh non, c'est pas ça. C'est l'anglais. Non, c'était le sport. Ah mais oui. Moi, c'était... Mais c'est vrai que le français, j'aime beaucoup. En tout cas, plus que les mathématiques. Oui. Mais bon, voilà, moi, c'était le sport. Alors, quel sport ai-je pratiqué? Qu'est-ce que j'ai fait comme sport? Mais tu avais fait en deuxième aussi, tu avais fait du basket. Non, quel sport? Non, pas à l'école. Hein. Quel sport que j'ai pratiqué? Ah. D'accord? C'est bon? Oui. Montrez vos ardoises. Bon. Judo. 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 La même petite tout à l'heure. C'est ça. Dans quel pays je suis déjà allée? Quels sont les pays où je suis déjà allée, oui? Ah, il y en a un, je sais, tu me l'as déjà dit, mais c'est où aller tourner? Attends, je sais, je suis 5, 4, 3, 2, 1, stop! C'est bon. Vous montrez vos ardoises. 1, 2, 3. Alors, attends. Ah, si, c'était où? Tu m'as mis quoi? Arabie Saoudite. C'est où que ça a été tourné Star Wars? Nous sommes en Tunisie, ma chérie. Tu es déjà en Tunisie? Oui. Alors, l'Algérie, j'y suis déjà allée, puisque je me suis mariée là-bas. Ouais. En Tunisie, j'y suis déjà allée. Mais sauf que vous ne l'avez pas marqué. Moi, j'ai cru en Angleterre. En Angleterre, j'y suis déjà allée. Ah. Tout à fait. Donc là, tu marques 2 points. En Espagne, non, je ne suis jamais allée, ma chérie. Hop, quoi? Non, je n'ai pas été en Espagne. Par contre, donc, j'ai fait l'Algérie, la Tunisie, le Maroc et l'Angleterre. Et la Suisse. Quoi, t'as fait le Maroc? La Suisse, j'ai été travailler en Suisse. Oui. Le Maroc, oui, j'étais au Maroc, oui. D'accord. Oui. Donc voilà. Et vous allez voir, après, elle va aller en. Donc, Algérie, Angleterre, c'est bon, toi. Hein. Question 15. Quel pays j'aimerais visiter? Là aussi, sûr. C'est 5, 4. Attends, je suis en montre dans mon 3, 2. Oh non. 1. C'est faux, mais. Vous montrez vos ardoises. En États-Unis, à Los Angeles. On dit pas en États-Unis, on dit aux États-Unis. En Chine? En Chine? Mais non, j'ai pas. Non, pas du tout, non. J'ai pas, j'aime bien ce que je pense que c'est vrai que la muraille de Chine, ça doit être bien, mais non, c'est pas là-bas. Et moi, je voudrais aller aux États-Unis, à Los Angeles. Oui, aux États-Unis, à Los Angeles. Et plus, non, c'est pas c'est Los Angeles, oui, mais c'est la côte ouest que je voudrais faire. Toute la côte ouest. Et ça, c'est mon rêve. Hein, vous allez me le réaliser, ce rêve. Oui, bien sûr. Hein, tu vas me faire ce voyage. Bah oui, bien sûr. Je pourrais rencontrer plein de célébrités. Non, attends. Non, j'ai pas dit que tu viendras avec moi. Oui, maman toute seule. Ah, bah oui. Attends, on te paye le truc et on vient même pas. Ah, mais non, non. Alors, en fait, moi je participe pas, je cotise pas, en fait. Moi, je viens pas, je cotise pas. Non, mais attends, c'est mon cadeau. Tu me fais un cadeau. Oui, tu pour me paye mon voyage. Hein. Hein, mais elle a croyé que j'allais l'emmener avec moi. Ben, bien sûr, j'ai rencontré un star. Mais ça va pas, non? Alors, allez, il reste plus que 2 questions. Quels sont mes acteurs ou mes actrices préférées? Sachant que acteur... allez, je vais vous aider. Acteur, j'ai pas vraiment d'acteur préféré. Alors, mes acteurs préférés, c'est bon? Oui. Vous avez écrit? Non, ce n'est pas du tout sûr, monsieur. Alors, montrez vos ardoises. Da-da-da. Joli. T'as écrit quoi? Dieu par Dieu. Non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu par Dieu. Comment il a écrit? C'est quoi? Il a écrit Dieu par Dieu. Oui. Non, c'est mais Dieu non, par non, Dieu. Ah non. Dieu par Dieu. Ah bah non, attends. Ça veut strictement rien dire la vie. Dieu par Dieu. Dieu. Non, en plus c'est pas du tout de par Dieu. Alors absolument pas. C'est pas du tout mon acteur préféré. Donc déjà, t'as rien. Et toi, t'as mis quoi? Grandi.
James Bond. C'est pas un acteur, James Bond. Ah quoi, sérieux? Alors déjà, Alyssa Milano, c'est pas du tout mon actrice préférée. Oh. Elle a joué, Alyssa Milano, elle a joué dans Charm, mais c'est pas parce qu'elle a joué dans Charm que je l'aime. Oh, mais c'est pas Milène, je pense. Non, mes actrices préférées, c'est Whoopi Goldberg. Whoopi. Ah oui, Goldberg, la salle que j'avais dit. Whoopi. Voilà, Whoopi Goldberg. Et ah, je l'avais sur le bout de la langue et là je l'ai oublié. C'est qui jouait dans Ghost? Ghost. Pourquoi tu m'as dit Demi Moore. Voilà. Demi Moore. Alors, quelle était la marque de mes baskets préférées? Oh, c'est facile. Oh non, ça se tourne, on va avoir pareil. Et après, il y a une question qui va tout. Alors, c'est sûr que c'est ça. C'est bon? Mais, oui. Oh, comment j'ai écrit? Non, par contre, j'ai fait une énorme faute d'orthographe, mais je ne peux pas. D'accord. J'ai remarqué, c'est déjà ça. Allez, vous montrez vos ardoises? La montre. Le coq sportif. Le coq sportif. Oh, bah, c'est ça. Et les ardoises, donc. Non, pas du tout les ardoises. C'est toi les ardoises. Moi, c'est pas du tout ça. J'ai une barbe unique. Donc. Alors, il faut qu'on fasse une question où je peux vous départager. Mais la question en or. La question en or. La question en or. Alors, vous êtes prêts? Alors, on va essayer de vous, je vais essayer de vous départager. Hein. Sinon, bah tant pis. Alors, attention, écoutez bien. Quel est mon légume que je déteste? Quel est le légume que je déteste? C'est... Je sais ce que c'est. Attends. Je sais ce que c'est. Bon, on va voir. Alors, vous retournez vos ardoises. Le navet. Oui. Ah oui, c'est vrai. C'est le navet. Ah non, l'aubergine, j'aime ça l'aubergine. Bon, ouais. Et c'est vrai que le navet, je déteste ce légume. Ah là là. Donc, bah oui, effectivement, c'est toi qui me connais le mieux. Mais bon, d'un petit point. Mais c'est juste sur 10, sur 10, presque 19 questions, t'as eu que 10 bonnes réponses. Oui, mais parfois j'ai des questions. Voilà. Ah bah oui, mais bon, t'es censée me connaître, non? Oh, je suis déçue. Je suis déçue, même toi. Sur 19, tu savais pas. Mais non, c'est bien, mes amours. Bravo. Bah après, c'est, vous pouvez pas tout savoir non plus. Hein. Oh, j'aurais dû vous dire. Abonnez-vous. Ouais, oh, mais là, comme c'était écrit à l'envers. Voilà, et fais-le maintenant. Alors là, vous devez bien le voir. Voilà. Abonnez-vous. Hein? Bah, j'ai écrit à l'envers. Oui, abonnez-vous. Attends, sauf que t'avais effacé le vous. Ah non, dans l'autre sens, le B. Abonnez-vous. Regarde. Lève, bah, lève ton ardoche, chérie. Voilà. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. Et voilà. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de nos prochaines vidéos. Et on se dit à très bientôt. Ciao.